Dans cet hypermarché, comme dans toutes les grandes surfaces de France, c'est le rayon sur lequel il ne faut pas se rater au mois de décembre. Les bûches de Noël sont arrivées en force, il y a quelques jours. David, le chef de rayon, procède aux derniers ajustements. On les installe surtout en début de campagne pour que les clients goûtent, repèrent les parfums. Et ensuite, le gros boom, ça se fait les 10 derniers jours de Noël. Le choix est immense. David a prévu 10 mètres de linéaire pour accueillir ses douceurs de Noël. Des plus classiques, vanille caramel ou chocolat noisette, aux plus originales. Au niveau de chez Pilpa, bon, on a toujours la menthe frisson chocolat. Ensuite, au niveau de chez Nestlé, on a une bonne référence, c'est la nougatine. La bataille est lancée entre les grandes marques. Nestlé, Carte d'Or, Pilpa, et aussi les produits aux couleurs des distributeurs. Et elle se joue en grande partie sur les prix. Pour une bûche de 8 personnes, comptez aux alentours de 5 euros. Seuls quelques fabricants qui se revendiquent artisans glaciers affichent des prix un peu plus élevés, ici jusqu'à 7,90 euros. Alors avec ces bûches très bon marché, le repas de Noël reste-t-il toujours une fête? Quels sont les secrets des industriels pour faire fondre autant les prix? Quand Noël approche, dans cette usine de crème glacée non loin de La Rochelle, on mise tout sur la bûche. Et on joue les fins gourmets. Je vous amène la dégustation du jour. Quand il s'agit d'innover avec de nouvelles saveurs. Nous avons trois produits communs, la pêche de vigne, la mirabelle et l'abricot, de deux coopératives fruitières différentes. Le patron de l'usine, Denis Lavaux, aimerait créer une bûche qui sorte de l'ordinaire, avec des fruits. Sur le plateau de son chef de production, à côté de goûts plutôt classiques, un parfum dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Un petit yuzu, ce qu'on voit si on peut travailler ce produit sur le long terme. Du jus de yuzu. C'est ce citron japonais aux faux airs de mandarine. Sur les papilles de Denis Lavaux et de son équipe. Ça fait tilt. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'il y a un truc à faire. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est tellement puissant que ça devrait finir la fin de bouche. C'est pas étonnant que les grands chefs travaillent avec. Ce parfum très tendance pourrait leur permettre de se démarquer dans les rayons. Mais il y a quand même un gros frein. Donc ça, faudra le travailler, mais bon, au prix où ça vaut, on a 25 euros le kilo, donc ça va être compliqué. Pour l'instant, ils se rabattent sur un choix moins onéreux. Est-ce que vous avez d'autres mariages? Est-ce que vous préférez mettre mirabelle abricot, mirabelle pêche de vigne? Qu'est-ce qui vous semble le mieux dans les mariages? Je pense que c'est vraiment le... Tout le monde? Le mariage de... Oui, oui. On met la pêche de vigne dessus, l'abricot dedans? Car une bûche vendue en supermarché, ça doit avant tout ne pas être cher à fabriquer. Et Denis Lavaux est bien placé pour le savoir. Pendant une dizaine d'années, cet ancien cadre a travaillé à la recherche et développement des glaces chez le géant Nestlé. Quand il a lancé sa propre marque il y a 18 ans, c'était avec l'idée de produire des glaces d'une qualité proche de celle des artisans, mais en grande quantité. Ce Noël, il espère faire un malheur avec sa nouveauté 2014. Une bûche aux deux chocolats garnie de nougatine. Elle sera vendue dans les rayons autour de 8 euros. Alors comment réussit-il à rentrer dans ses frais? Au laboratoire aujourd'hui, c'est Rémi, le préparateur, qui est aux manettes. T'en es où dans ta recette là? La bûche glacée, ce n'est pas sorcier à fabriquer. 6 ingrédients au total, mais attention, il faut doser précisément. Une recette de glace, c'est comme une recette de pâtisserie, on est au gramme près. Donc on pèse l'eau, bien sûr, au litre près, ce qui est très important. Tout commence donc par l'eau. Et si le patron demande à son préparateur d'être vigilant sur les quantités, ce n'est pas seulement pour que la recette soit réussie. C'est aussi parce que les ingrédients ne sont pas donnés. Le lait en poudre, par exemple, on pourrait penser qu'il est moins cher que sous forme liquide. Il n'en est rien. Son avantage à l'état déshydraté, c'est qu'il se conserve plus facilement et plus longtemps. Une fois incorporés les stabilisants qui donnent du liant au mélange et le sucre, il faut ajouter de la crème fleurette,
c'est la même que celle que vous mettez dans vos gâteaux maison. Et voici l'ingrédient le plus cher, un cacao à 100%, au goût très fort. Donc voilà, alors on va mettre ces fameuses pépites, voilà, c'est l'or noir. Du mangaro de Madagascar, que Denis Lavaux achète 15 euros le kilo. Il le verse dans le mélange qui a été préalablement chauffé pour qu'il puisse fondre. À ce stade, pour chaque bûche qui sera produite, il y en a déjà pour 2,50 euros de matière première. Le précieux liquide est ensuite refroidi dans cette cuve à moins 7 degrés et transformé en glace. Et lors des étapes suivantes, il ne faut surtout pas en perdre. Denis Lavaux a investi 20 000 euros pour faire fabriquer ce moule sur mesure. Il déverse en continu des mètres de rondins glacés déjà moulés, avec au cœur le mangaro de Madagascar et tout autour un chocolat d'Afrique du Sud plus corsé. Alors là, il y a les deux chocolats arrivent ici, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Le premier qui est à l'intérieur, le mangaro, va s'arrêter ici. Et le deuxième vient s'entourer autour de lui. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir deux parfums. Avec ce moule, il réussit à fabriquer 100 000 bûches en quelques semaines. Et le gros avantage, c'est qu'il permet de se passer de moules individuels qui multiplieraient les risques de casse au démoulage et nécessiteraient beaucoup plus de main-d'œuvre. Alors ça, je l'ai appris chez Nestlé. Je ne l'ai pas inventé, c'est tous les gens qui m'ont formé avant. Et j'ai fait le mélange d'un maître artisan avec une production en plus grande quantité. Si on prenait des moules et on moulait, on ne ferait pas les 100 000 bûches. Tous les gros travaillent comme ça. La découpe a aussi été soigneusement pensée. Quoi tes poids là en ce moment? C'est bon? 500 grammes. C'est bon? Impeccable. Les bûches doivent peser exactement 500 grammes. Pour éviter les pertes, Denis Lavaux a prévu des encoches sur les plaques dorées qui supportent les bûches. L'opérateur peut viser juste. S'il coupe trop court, l'autre va être à 520 et celle qui est à 480, on va l'éliminer. Donc on perd une bûche. Hors de question de gaspiller. Car matière première, salaire et frais fixes compris, chaque bûche revient au final 5,90 €. Ce qui ne laisse à ce fabricant que 10 à 20 centimes de marge au prix où les grandes surfaces l'achètent pour la revendre. Pour continuer à utiliser des matières premières de qualité, Denis Lavaux doit donc négocier serré avec ses fournisseurs. La vanille que lui fournit depuis une dizaine d'années Lucia Salvetta est une des plus recherchées par les fabricants de bûches. Dans son précieux colis, de la Bourbon de Madagascar. Les gousses ont été récoltées il y a quelques semaines avant de lui être envoyées dans son entrepôt du sud de la France. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Vous avez fait bon voyage? Impeccable. Ok. Donc je viens vous en prie, avec rentrez. Les trésors 2014. Ah. Dès le premier coup d'œil, Denis Lavaux n'a aucun doute. Cette vanille sera parfaite pour sa bûche à la vanille. C'est super. Un autre de ses best-sellers. Elles sont fendues, oui. À maturité, oui. Le problème, c'est que cette vanille haut de gamme coûte très cher, près de 80 euros le kilo. Il a fait venir Lucia Salvetta pour négocier les prix. Ok, bah c'est très bien. Bon, on va discuter un petit peu. Très bien. Essayez-vous, je suis là pour ça. Pour parvenir à ses fins, il va lui faire miroiter la perspective de commandes annuelles plus importante que d'habitude. On était à 700 kilos, je pense qu'on va monter à 800, 900 kilos, puisqu'on a des gros contrats qui sont en train de... C'est pas encore fait, mais si ça s'ouvre, ça va faire du volume. Maintenant, le prix, est-ce qu'on peut espérer, vu qu'on augmente notre quantité, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ou... Mais Lucia Salvetta n'est pas du genre à lâcher facilement. C'est un produit agricole. C'est vrai que d'une année ou d'une autre, nous pouvons avoir des hausses des prix, avec la réalité qui est propre à Madagascar, etc. Car d'une année sur l'autre, si par exemple la météo est mauvaise, la récolte peut subir de grosses pertes. Or la plante, qui est très fragile, reste toujours chère à cultiver. Pour produire une vanille de qualité, ça demande énormément de travail. Et donc ce travail-là a un prix. Donc si M. Lavaux me dit le prix, moi je lui dirai, nous ne pouvons pas. Pour décrocher quand même un petit quelque chose, Denis Lavaux va lui faire une suggestion.
ce qu'on peut faire si on passe de 700 à 800 kilos, c'est oui. Est-ce que vous pouvez nous offrir 10 kilos ou 20 kilos de gousses de vanille sur les 800? C'est ce que j'allais vous proposer. Voilà, comme ça. C'est vraiment celle. Ça vous coûte moins cher que... Oui, mais tout à fait, ça nous coûte. Malgré ses réticences de départ, Lucia Salvetta lui consent de cette manière un petit rabais d'environ 2%. Un bon deal en échange de cette commande ferme qu'elle n'attendait pas si vite. Denis Lavaux, lui, gagnera environ 2 centimes par bûche, une économie à la fin de la saison d'à peine 300 euros, qui peut paraître dérisoire. Voilà pourquoi, pour produire nettement moins cher, d'autres fabricants du fameux dessert de Noël préfèrent avoir recours à des méthodes moins avouables. Pour en savoir plus, nous sommes retournés cuisiner notre importatrice de vanille. Elle vit non loin de Toulouse, à Albi. Au premier étage de ce bâtiment, juste au-dessus de l'entrepôt dans lequel elle stocke son odorante marchandise. La famille de Lucia possède 10 hectares de plantation à Madagascar. C'est elle qui importe en France toute la production, 10 tonnes par an, soit environ 800 000 euros. Dans ses rayonnages, on trouve de la vanille sous des formes inattendues. Si les gousses sont réservées à ses clients les plus exigeants... Dans la gousse, il y a plusieurs classifications ou grades, certains. Donc, on a ici de l'extra noir. Il y a aussi des substituts, comme ce liquide prêt à l'emploi, de l'extrait naturel dilué avec de l'eau. Nous avons de l'extrait qui est décliné en deux concentrations, soit de l'équivalence 400 g de gousse par litre ou de l'équivalence de 200 g de gousse par litre. Ouais. Et Lucia a fini par nous confier une astuce que nous autres amateurs de bûches devrions mieux ne pas connaître. Aux fabricants qui veulent faire de grosses économies, elle propose de récupérer non pas les graines qui donnent le goût, mais juste l'écorce de la gousse. Une fois vidée, cette écorce est séchée puis pilée. Et vous allez voir le résultat quand on en broie de grandes quantités. Une poudre noire. On dirait de vraies graines de vanille, pourtant ça n'en a ni le goût ni l'odeur. Elle possède en revanche un énorme avantage, strictement esthétique. Vous-même, quand vous achetez de la glace, vous aimez bien voir le point noir pour vraiment dire que vous avez mangé de la vanille. Et là, c'est dans ce but-là. Et est-ce qu'il y en a qui vous achètent ce produit sans mettre de la vraie vanille dedans? J'imagine, oui. Qu'est-ce que ça leur permet? Ça leur permet tout simplement de renforcer le mot vanille sur leur boîte de glace ou autre. Sur les emballages, voilà comment apparaît cette poudre de perlimpinpin qui n'est en fait que du déchet de vanille. Gousse de vanille épuisée ou broyée. Une ruse qui ne coûte pas bien cher, 8 euros le kilo. Mais quand il n'y a pas de vanille naturelle dans la bûche, les fabricants sont quand même bien obligés de lui injecter un peu de goût. Là encore, ils ont trouvé une solution très bon marché. Ce discret entrepôt en région parisienne cache bien son jeu. Pour certains industriels de l'agroalimentaire, ici, c'est le paradis. Empilés sur des étagères, sur des dizaines de mètres, des milliers de bidons à renifler ou à goûter. Presque tous les parfums présents dans la nature sont reproduits ici. De la truffe au vin rouge, en passant par l'ananas et le porc, la rose, la pomme de terre ou le cognac. Tout a été reconstitué artificiellement. Voici le grand chimiste en chef. Jean-Pierre Moutois, le patron d'origine belge, fournit tous ses arômes à des industriels pour fabriquer des bûches glacées, bien sûr, mais aussi des plats cuisinés ou encore des liquides pour les cigarettes électroniques. La vanille sans vanille, bien entendu, ça le connaît. J'ai une vanille ici, ben elle n'est pas naturelle, donc voilà. Alors des vanilles, c'est comme dans tous les arômes. Qu'est-ce qu'il y a dedans si c'est pas naturel? Là, effectivement, on reconstitue avec les molécules la gousse de vanille, avec les connaissances identiques à la nature. Donc vous allez faire croire que c'est de la vanille alors que c'est pas de la vanille. Au final, au goût, ça sera de la vanille, ça je vous garantis. Mais comment sont fabriquées toutes ces saveurs? C'est toujours un peu le même principe. Aujourd'hui, le laborantin prépare un arôme fraise. Il lui suffit d'une balance, d'une pipette, de verres doseurs, mais pour ce qui est des ingrédients... C'est constitué de quoi? Ça le fait un peu sourire.
enfin, des molécules issues de la pétrochimie, voilà. mais de qualité alimentaire. Par contre. La pétrochimie. Il suffit d'aller sur Internet pour en savoir plus. La pétrochimie est la science qui s'intéresse à l'utilisation des composés chimiques de base issus du pétrole pour fabriquer d'autres composés synthétiques. Le recours à ces molécules est toutefois sans danger pour la santé. Pour la vanille, le patron Jean-Pierre Moutois ne fait d'ailleurs aucun mystère de la formule chimique. Mais voilà, ça ne donne pas très envie. Dans un arôme vanille, par exemple, voilà, un guaiacol, il va rentrer dans un arôme vanille. Le guaiacol existe à l'état naturel dans la gousse. Là, il a donc été reconstitué à partir de dérivés du pétrole. Et il n'y a pas que le guaiacol. De la vanilline. C'est le produit magique qu'on trouve dans les gousses de vanille qui a été synthétisé pour pouvoir faire des arômes vanille. Évidemment, tout cela est très intéressant économiquement parlant pour les industriels de la bûche glacée qui se fournissent ici. Vous allez comprendre pourquoi. Pour fabriquer une bûche vanille pour 8 personnes, un artisan utilise 10 g de gousses de vanille, qui lui coûte 80 centimes. L'industriel, lui, ajoute 3 g d'arômes, qui lui reviennent seulement 3 centimes, 27 fois moins cher. Voilà pourquoi certains fabricants de bûches aiment beaucoup M. Moutois. C'est aussi le travail des industriels, dont on fait un peu partie, puisqu'on est au début de la chaîne, de trouver des choses bonnes, de mieux en mieux, et avec des coûts qui sont de plus en plus serrés. C'est une solution magique pour donner du goût à des produits qui en manquent. Et votre belle bûche de Noël, achetée en supermarché, renferme un dernier secret. Vous êtes cassé dans les V. Quand l'ancien cadre de Nestlé, Denis Lavaux, fabrique sa bûche au chocolat, dans cette cuve où les matières premières sont brassées, de l'air arrive par ce petit tuyau. Voilà comment ça se passe. Au moment où le chocolat arrive dans la cuve réfrigérante à moins 7 degrés, il est mélangé par un batteur avec l'air qui est pulsé par le tuyau. C'est grâce à cet air que la glace peut prendre. Cela s'appelle le foisonnement. Et bien que le tuyau soit petit, il laisse malgré tout passer beaucoup d'air. Combien d'air vous incluez dans cette machine ? 66% de produits pour 33% d'air. Un tiers de la bûche de Denis Lavaux, c'est donc de l'air. Et comme l'air, c'est gratuit, voilà un levier bien tentant pour réduire encore les coûts. Vous nous confirmez que mettre plus d'air dans des bûches, ça fait quand même gagner un peu plus d'argent. Oui, ou ça peut gagner plus d'argent ou les vendre moins cher. On ne s'en rend pas bien compte quand on achète sa bûche, mais pour un volume d'un litre, le poids peut considérablement varier. Pour une bûche de 8 parts, les industriels les plus généreux offrent aux alentours de 650 grammes. Mais les bûches les plus maigres peuvent fondre à environ 500 grammes, 25% de moins. Avec cette technique, les industriels peuvent encore réduire leur coût de fabrication de quelques euros. Face à votre bûche de Noël, remarquerez-vous toutes ces subtilités. Nous serons un Français sur cinq à en faire cette année encore, l'un des plats stars de nos repas pendant les fêtes.